Attention. Bon, tu vois, non? Moi, quand je parle, les gens pensent que je parle, parce qu'il faut parler. Tu vois, non? Voilà. Je t'ai appelé pour une réunion de perspective. Voilà, il faut que j'étais. Attends, il y a un nouveau chapeau. Il est là. Tu as vu, tu as accepté ma vie. Tu vas voir. Tu l'as accepté avec quel ami? Pour qu'il fasse la règle comme ça. Bon, hein? Bon, vers les 3h34. Ah, là-bas, 3, quoi? On parle de. Mais il a assisté à la réunion là aussi. Attends, il ne comprend pas. C'est là, c'est quoi? On t'a appelé ici. Non, mais quand c'est réunion de famille là, nous tous on est là. Il y a un seul mot de dire, c'est manger de l'outil de chalet. Faut sortir. Et puis, tu l'as entendu parler. Quelle réunion de famille? Sors! Toi, tu peux mettre ça. Toi, tu viens dans le famille. Sors là-bas! Sors! Lui là, comment c'est papi? Ouais, pour nous, c'est les gens là, c'est pas facile. C'est réunion de famille, nous tous on doit assister à ça. Si tu ne sors pas ici, t'es avant. Sors là-bas! Avec tes paquets, on dirait, je ne sais pas, c'est quoi, un poids délivrant. Salut. Donc, pas, il te disait, moi, je t'appelle, il faut que je voie clair dans tes affaires. Hein. Ouais, toi, tu peux penser que moi, ma fille, comme ça, on doit voir clair. Mais pourquoi tu me dis que c'est les cheveux là même? C'est ça, hein, c'est pas les cheveux là qui fait. Et puis, c'est qui m'énerve, mes cheveux sont pas des. Hé, fais-le, fais-le, puisque je parle. C'est la même chose, c'est pas, quand je réfléchis au niveau de mon ami. Mon ami là, il ne peut pas trop te faire tu quoi. Mon ami là, c'est ton papa. Sinon, c'est qu'il allait te montrer. Tu as fait jusqu'à moi, il se dépense, il dépense. Tu es là comme ça, il va vendre la manette devant toi pour faire. Nya, nya, nya. On ne sait même pas quel est même tu te prends pas derrière garçon. Tu montres moi les vilaines là-bas. Pardon, excusez-moi, il est parti pisser un peu quoi. T'as allé papa? Il est parti dans. Pisser où? Chez nous ici. Il y a une maison comme ça. C'est à cause de ton papa. Sinon là, tu n'allais pas venir même pisser, même mettre ton kiki là dans l'eau toilette. Il faut pas fuir. Il y a qui est cette notre frère. Tu viens encore chier chez nous. Attends, c'est tout ça là, c'est toi. Tout ça là, c'est toi. Tu vas savoir. Tu viens chier chez nous. Non, c'est pas la peine. Tout te quitte. Non. Tu vois, tout ça là, c'est toi. Si on quelqu'un comme ça, pas peut venir chez moi pour venir chier. C'est joli, hein? C'est tout la jambe. Oui, oui, le père, pardon. Il est fini. Attends, tu disais quoi avant de venir? Non, j'ai dit. Maison est jolie. C'est joli, quoi. Surtout quoi? La chambre. Non. Voilà. Donc, attends, si on comprend, tu allais viser ma chambre. Non, j'ai dit, il s'est pas ni viser, non. Pas ni viser, ça. Hé hey. Ah ouais. Tu dis quoi, c'est joli? Non, c'est joli quoi. Hé hey. Ça peut être appelé. Ah ouais. Ça peut être venu t'appeler. Il dit pas qu'il faut venir regarder ma maison. Et puis il fait quoi même? Mais il est aussi ton peu quoi. Le père, excuse-moi. Tu vois, tout ça, moi je comprends pas quoi. C'est pas pour les toi là. Lui là. Voilà, tu as regretté. Tu ne connais pas où? Ça peut être ton papa hein. C'est quoi ça? Pourquoi si pas elle me dit ça? Attends. C'est quoi et voilà? Attends. Hé, c'est quoi ça? Faut me le faire, c'est quoi ça là? C'est votre faute, c'est bon. Tu vois? Attends, il rêve ou bien c'est quoi? Hé! Hey! C'est grossesse! Hé, hey, sortez! Il est sorti, sortez! Sortez, sortez! Allons, sortez chez moi! Oh, il ne veut pas vous voir ici! C'est quoi? Il dit, mon Seigneur! Attends, sortez-vous bien quoi? C'est la magie! Si tu veux mal, tu peux envoyer tes petites soeurs. Qui petite soeur? C'est toi la petite qui a un gros cul. Moi d'envoyer ma petite soeur. Est-ce qu'il cherche? Moi je fais des petites soeurs encore. Ta papa chez toi? Ah le père. Ta petite soeur. Où est la voisine? Les voisins sont à côté de moi. Les voisins qui sont à côté d'envoyer une. Mais attends. Dis-moi.
C'est quoi ton secret même? Pour moi là même là. Ton secret c'est quoi? Ah, c'est vrai, elle dit tu m'aimes pas là. Et il faut laisser ça. Donc, c'est quoi ton secret? Tu veux connaître? Toi aussi. T'es faut sûr. Faire vite. Rupert, t'es sûr? Il nous veut connaître ton secret. C'est quoi? Pelejo, c'est le Pelejo. Quoi? Pelejo, attends. Tu montes, tu descends pas. Oh. Il dit. On appelle ça 100 à l'air, 24 ici, 24. Attends, ça fait quoi et puis quoi? Il dit, c'est contre les émissions. Hein? Molle. C'est contre Bandeman. Ça te rend. Ah, ça te rend garçon. Non, il voit. Tout est écrit dessus. Oui, voilà, justement. Tu vois, non? Et puis c'est moins cher. Tu vois? C'est les pèlerins. 5 000 francs. 5 000 seulement. C'est rien. Et tout ton entité, tu as là. C'est les pèlerins. Il dit, comme c'est pas cher, faut m'envoyer 2 cartons. 2 cartons de pèlerins, là, faut m'envoyer ça. Mais donne-moi ma bouteille d'abord. Allez. Quoi, bouteille? Sors. Donne-moi ma bouteille. Il était tapé. Sors. Ah, vieux. Faut sortir. Ça, tu es malade. Tu es venu à cette deux familles ici de te donner bouteille encore. Tu es malade. Ah! Stop, pèlerins. Ya! Pèlerins. Ça sort tellement que non, on n'a plus le temps. Commander, réserver, appeler seulement. Voilà, Pelejo à la base, faiblesse sexuelle. Voilà, inspiration pour te donner la force pour pouvoir t'empoter, papa. Tu fais 30 minutes, quand tu bois ça là, tu fais plus 30 minutes, c'est une heure. Quand tu papa, ça descend pas. C'est ça qui fait ça. Et puis ça soigne l'hémorroïde, hémorroïde. Voilà, c'est comme ça y est. Réservez, prenez le numéro qui va s'afficher en bas. Yay, Pelejo. Le prix, c'est 5000 francs seulement. Faut payer pour te soigner, c'est très important. Appelle partout où tu es. Moi-même, je viens te livrer. Oui, les Pelejo. Aïe, aïe, aïe.